Vendredi 2 décembre, 19h30, les projecteurs s'allument sur les médias nationaux. Les champions dans le traitement de l'information liée à l'enfance reçoivent des prix. 4 médias au total. La catégorie radio, premier prix, FM Liberté. La catégorie radio toujours, mais cette fois-ci celle émettant des provinces. Le premier prix revient à la radio de développement local de Pala. La troisième catégorie, c'est relative à la presse écrite. Le premier prix revient au journal Le Progrès et médias en ligne. Le premier prix revient à Al-Wida. C'est une initiative de l'UNICEF en partenariat avec la Hama qui vise à accorder plus d'espace dans les médias aux thèmes liés à l'enfance. Dans le cadre d'une collaboration avec la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, un monitoring des contenus médiatiques est réalisé chaque mois afin de mesurer l'espace réservé aux questions des droits de l'enfant dans les médias. Les résultats de ce monitoring ont servi de base à la sélection des médias champions du traitement des thèmes sur l'enfance. Pour cette année, plus de 1400 articles ont été traités sur les enfants dans les médias, excepté la catégorie télévision, qui n'a pas été évaluée et donc pas concernée par le prix. Une avancée significative. Les médias ont le pouvoir de dénoncer les conditions des enfants, d'interpeller les institutions et les pouvoirs publics, mais ont aussi et surtout l'obligation de contribuer à la promotion des droits de l'enfant en tant que levier de développement de la société. Les 4 médias primés reçoivent chacun un chèque d'1 200 000 francs CFA et c'est là, augure dans la foulée, une belle ambiance qui éteint les projecteurs sur la cérémonie.